Cinquième partie de cette formation, on va parler maintenant des sept idées, enfin on va trouver ensemble sept idées de formation en une heure et le contenu de ces formations. Alors je ne vais pas vous tenir pendant une heure, vous inquiétez pas, ça va être moins que ça, mais en tout cas dans une heure vous aurez sept idées de formation. La première chose que vous allez faire, c'est d'utiliser les articles de votre blog. J'entendais il y a quelques années de ça un grand blogueur français, enfin un blogueur à succès français, qui avait pas mal de formations. Sur le web marketing et qui disait que, 5, que 95% du contenu de ses formations était présent dans son blog. Alors c'est énorme, c'est vrai que c'est énorme, moi personnellement c'est beaucoup moins pour mon cas, enfin voilà, s'il y a 50% c'est déjà beaucoup, mais lui voilà disait que 95% du contenu de ses formations se trouvait dans son blog. Et pourquoi les gens achetaient ces formations, c'est déjà il y en a qui achetaient parce que ils voulaient le remercier de leur donner du contenu gratuitement dans son blog, il y en a qui parce qu'ils le trouvaient sympathique, d'autres parce que voilà, il avait amené une résolution à un problème une autre fois, et du coup voilà, ils voulaient acheter la formation. Et surtout, la plupart, je pense, et en tout cas voilà, c'est ce qu'on en a déjà parlé dans le début de cette formation, il y a beaucoup de gens qui achetaient cette formation, qui achetaient sa formation parce que finalement, dans sa formation, il globalisait, enfin, il réorganisait finalement toutes ses connaissances sur un sujet donné. Imaginons que, je ne sais pas, sa formation, c'était, imaginons, gagner 1000 euros avec son blog tous les mois. Eh bien, on sait que dans cette formation-là, ça va parler que de ça, et il n'y aura pas besoin d'aller chercher l'article là, d'aller chercher l'article là, d'aller chercher l'article là. Voilà, sur mon blog à l'heure actuelle, je sais pas combien il y a d'articles, mais il y en a quand même, je crois que sur mon blog à l'heure actuelle, il y en a 80 sur alphonse.com. J'en mets tous les jours, donc ça sera beaucoup plus dans quelques mois. Voilà, ça fait pas très longtemps qu'il est sorti ce blog-là, mais il y a déjà un petit peu de contenu. Sur le site Qualipub, enfin, sur mon blog Qualipub, le premier blog que j'ai, il y a à peu près 400 articles. 400 voire 500 articles maintenant. Vous imaginez que voilà, les gens ils vont pas s'amuser à aller voir tous les articles, quoi. Ils vont pas se dire bah tiens, j'ai envie de créer un blog, enfin d'avoir des conseils pour créer un blog, je vais aller voir tous les articles. Non. Ce qu'ils vont vouloir les gens, c'est gagner du temps. Parce que le temps il est précieux et donc si vous leur permettez, grâce à votre formation, d'avoir un modèle pas à pas, vraiment une formation pas à pas pour avoir tel résultat, et que voilà, ils n'ont pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour aller chercher tous vos articles. Non, tout est regroupé ici. On a 4 modules, par exemple, 4 modules, 5 modules ou 6 modules pour apprendre à gagner 1000 euros par mois avec son blog, par exemple. Et ben voilà, la personne sait qu'elle n'a pas besoin de faire d'efforts, qu'elle va avoir tout devant elle, tout un pack avec toutes les vidéos dedans. Cette vidéo est un extrait de mon pack de 20 formations. Dans ces 20 formations, on verra comment créer un business sur Internet avec des revenus à 5 chiffres. J'ai préparé une présentation complète de ce pack. Le lien est sous cette vidéo. On se retrouve tout de suite sur la page de présentation.